sur le plateau de l'Express Sao. Allez, on est très heureux de vous accueillir pour une nouvelle semaine. Voilà, bon, évidemment, on craignait des débordements inacceptables. Un danger, il y en a eu. Des débordements partout depuis 3h du matin, depuis que Vanessa a fait son apparition dans la rédaction. Voilà, elle a fait des you-you, elle a fait la danse du ventre, elle est heureuse. On n'en peut plus. Elle nous met de la musique. En tout cas, on est très heureux pour l'Algérie. Magnifique victoire hier et bon, on est parti jusqu'à 10h. Vous commencez à en avoir l'habitude avec la venue ce matin de plusieurs invités, des surprises. Benoît Costil, effectivement. Ah, et une énorme surprise. Ouais, ouais, on vous dit pas ça, faudra être avec nous dans la dernière heure. Et puis regardez nos envoyés spéciaux, on ira les rejoindre également dans un instant. Bonjour messieurs, ils sont partout. Salut les garçons. Pour nous donner notamment des nouvelles des Bleus avec Samuel Olivier. Ça va, vous kiffez? Ah ouais, c'est génial. C'est génial. J'ai l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. D'accord. On va la gagner contre la Russie maintenant. Ouais. Hein, je prévois une finale France-Algérie. D'accord. Ouais. Okay, okay. La petite météo, on y va? Moi j'attends ça avec plaisir. Le week-end a été trop long.